Pratetei, ce qui signifie pays des hommes libres. Le pays des jolies filles. 514 000 km² de rizières et de jungles au cœur du pulse géographique et politique de l'Asie du Sud-Est. Une oasis de prospérité et de paix entre Malaisie, Birmanie, Laos et Cambodge. ...55 millions d'habitants vivent sur ce territoire. Sur une carte, la découpe de ce pays évoque irrésistiblement la silhouette d'un éléphant regardant vers l'ouest. La situation particulière de la Thaïlande, anciennement connue sous le nom de Siam, est due à un phénomène géographique et économique. La présence du grand fleuve Menan et de sa fameuse plaine a permis à la population thaï de jouir d'un statut privilégié parmi les peuples d'Asie. Cette grande plaine centrale a servi de grenier à riz durant des siècles, mettant le pays à l'abri des famines qui ont toujours menacé ses voisins. Cette fertilité et cette opulence permettent de comprendre pourquoi ce pays est le pays du sourire. Et ce sourire accompagne le voyageur dès son arrivée et pendant toute la durée de son séjour. La Thaïlande est le pays de l'eau. Ce royaume est bon, disait déjà au XIIIe siècle le roi Rakamhen. Dans les champs, il y a du riz. Dans l'eau, il y a des poissons. Sabaï, sabaï. Sentiment de bonheur absolu, de confort et de bien-être. Les récoltes propulsent chaque année la Thaïlande au premier rang mondial des pays exportateurs de riz. Sabaï. La Thaïlande, en réalité, s'apprécie à ras de terre, au ras de l'eau. Le Chayo Phraya, un Yang Yao, un long queue, une pirogue ainsi baptisée en raison de cette tige à l'arrière qui sert à la fois de gouvernail et d'arbre de transmission. Le moteur, un moteur de camion. Les longs queues font les taxis sur les plonges, ces canaux qui perpétuent le mystère de Bangkok. La plupart des klongs ont été comblés et transformés en routes. Restés voies de communication, ceux qui y subsistent servent aussi de salle de bain, d'égout et de lavoir. Aujourd'hui, l'eau est un peu trouble, mais les vieux se souviennent que jadis, elle était limpide et Bangkok surnommée la Venise de l'Orient. En Thaïlande, on peut aller n'importe où par bateau. Jusqu'au début du siècle, les canaux étaient des principales voies de transport des marchandises. Sur les bords du canal, envahis par une végétation tropicale luxuriante, se déploient les images de la vie indigène dans toute son originalité. On assiste au réveil et à la toilette matinale des gens, vivant dans des cabanes construites sur pilotis, nullement gênés par les intrus. À
Après une heure de voyage, on arrive au point de rencontre de tous les sampans et pirogues chargées de marchandises. C'est le marché flottant. Là, dans une atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, on participe aux échanges de toutes les marchandises. Viande, pain, nouilles, une profusion de fruits exotiques, de poireaux et autres légumes donne une impression d'abondance inépuisable. Avant de commencer la visite des temples, regardons comment vivent les habitants. En Thaïlande, le peuple vit parfaitement bien la vie quotidienne en imaginant derrière chaque objet, derrière chaque geste de la vie quotidienne, la présence d'un esprit. Ils sont partout. Ils accompagnent le peuple. Ce sont les esprits. Dans la Thaïlande, 30 000 watts, ou plus exactement, 30 000 temples dorés aux toits pointus, ornés de serpents menaçants. 3 millions de bonzes, 10 millions de bouddhas, veillent sur le karma de 55 millions de Thaïlandais. Pour atteindre l'ultime réincarnation qui doit les mener au nirvana, la Thaïlande est le plus agréable des purgatoires, disent les Thaïs. Pour honorer l'univers du bouddhisme, voici le Wataron. Son centre est marqué par une tour décorée de style cambodgien, haute de 86 mètres. Le prang central symbolise la montagne sacrée qui soutient le monde. Ces quatre prangs moins élevés sont les quatre océans. Les quatre pavillons, les quatre vents. Les matériaux de construction sont des briques recouvertes de stuc, de verre, de coquillages, d'éclats de porcelaine et de céramique au glaçage chinois. Que ce soit au lever du soleil ou au clair de lune, l'effet d'un exotisme féerique. Début novembre, selon le calendrier lunaire, les barques royales sont utilisées pour transporter le roi au Wataru, afin de présider la cérémonie Tok Katin, à l'issue de laquelle il remet au prêtre la robe jaune safran. Le cortège se compose de 35 bateaux décorés de peintures rehaussées d'or et de sculptures. La barque qui transporte le roi mesure 44,90 m de long et transporte 58 personnes, dont 50 rameurs. La proue est en forme de tête de cygne mythique, dont le bec relevé porte un pendentif doré. Il faut imaginer ces barques lorsqu'elles sortent sur le fleuve avec les équipages en costume et bonnet rouge, galonnés d'or, ramant au rythme scandé par le chef de navire.
En Thaïlande, 90% des Thaïs sont bouddhistes. Chaque matin, les bonzes en silence parcourent les villes et les villages, le bol destiné à recevoir l'offrande de la nourriture à la main. L'enseignement du Bouddha révèle que la possession est source de souffrance. Aussi, les bonzes ne possèdent-ils que l'étoffe dont ils se vêtent, le bol à aumône, une aiguille, un rasoir et un filtre à eau pour ne pas avaler, sans le savoir, une créature douée de vie si infime soit-elle. Le Thaï peut à tout moment de son existence entrer au monastère, à condition d'être libéré de tout lien matériel avec le monde. Lorsqu'il est dans la communauté des bonzes, l'ancien businessman, charpentier, professeur ou policier doit respecter les 227 règles de la Vinaya, dont les 5 premiers commandements: ne pas ôter la vie, ne pas voler, ne pas mentir, être chaste et ne pas boire d'alcool, mais il peut aussi à tout moment quitter la robe orange. Il lui suffit alors de prévenir le supérieur et de réciter les 5 préceptes du laïc. Il faut savoir que 90% des Thaïs sont bouddhistes, le reste musulmans, 1 million environ, hindous, chrétiens et animistes. Auprès des frères, les bonzes qui ont fait vœu définitif vont apprendre à méditer et s'abandonneront au rythme régulier de la prière. Non seulement ils porteront un autre regard sur le monde, mais ils vont acquérir des mérites pour leur famille et pour eux, dans l'espoir d'une meilleure réincarnation.